Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Zaid. J'ai un magasin de jeux vidéo à centre-ville de Retro Gaming. Pourquoi vous êtes venu ici? Parce que j'ai fait mon stand chaque année en TGS et Fred c'est un ami. D'accord. Donc lui m'a dit de passer ici. J'avais envie de venir pour voir les passionnés comme moi. Vous êtes collectionneur de jeux rétro. Oui, à la base je suis collectionneur de jeux rétro gaming de ma époque, années 80-90. Et par mon passion, j'ai fait mon magasin de jeux vidéo en fait. Vous avez combien de jeux à peu près? J'ai au moins 7000 jeux. Et vous y avez tous joué? Ah ouais. Et vous les avez tous finis? Depuis l'âge de 3 ans, je joue aux jeux vidéo, alors je suis à fond dans les jeux vidéo. Ouais. Je suis plutôt rétro gamer que les jeux récents en fait. Mais pourquoi préférer les jeux rétro aux jeux récents? Parce que c'est par passionné. Parce qu'à la base, j'ai commencé les jeux avec les Game Boy, Super Nintendo et tout ça. Et j'ai pas eu beaucoup de chance pour jouer les rétro gaming quand j'étais gamin. Donc, quand j'ai fini mes études et tout ça, j'ai tout ramassé. J'ai commencé le rétro gaming par nostalgie en fait. C'est pour ça. Et vous tenez une boutique de jeux vidéo? Oui, j'ai tenu une boutique de jeux vidéo. Et c'est quelle est? C'est 11 avenue du RSS, centre-ville de Toulouse. Et dedans, on retrouve des jeux rétro ou aussi des jeux modernes? Vous trouvez tout là-bas, de années 70 jusqu'à maintenant, en 2016. Mais plutôt, on est la base de rétro gaming. Genre, c'est un magasin old school game, du coup, c'est ancienne école de jeux vidéo. Ouais. Plutôt. Je connais plus le rétro gaming que les nouveautés. Les nouveautés, j'ai fait parce qu'il y a des clients qui viennent me demander des nouveautés et tout ça, donc j'ai fait. Mais à la base, je suis rétro gamer, donc je connais beaucoup mieux dans le rétro gaming que des jeux récents, en fait. C'est pour ça. Est-ce que vous organisez de temps en temps des tournois de rétro gaming? Oui, on fait des tournois et je suis partenaire avec Geek Forever et Geek Party. Donc j'organise souvent les tournois de jeux vidéo dans la boutique. Et après j'ai une salle derrière où il y a rétro gaming. J'installe un canapé avec les télés et des anciens jeux vidéo. Et souvent on fait les tournois et tout ça. Et c'est quand le prochain? Prochain, normalement il y avait une hier et le prochain ça va être la semaine prochaine. Et ça sera sur quel jeu? Plutôt jeu de combat, normalement ça va être Smash Bros. Sur Nintendo 64, soit sur Wii U. Et si vous deviez choisir un seul jeu, lequel ce serait? Moi, franchement, à la base, je suis rétro gamer, moi j'ai trop kiffé Super Smash Bros. Le dernier sur Wii U. Je trouve que c'est la meilleure pour D'accord. moi. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie.